Vous avez Bruce Willis qui est parmi nous. Enchanté. Caramel, ganache chocolat et cacahuète également. Tous les soirs, je demande un dessert. Tous les soirs. Chez Hill, c'est très cosmopolite. On a une cuisine qui s'étend vers l'Asie du Sud-Est, vers le Maghreb, une cuisine méditerranéenne, etc. Et on le retrouve aussi dans la carte des vins, parce que Félix, il aime bien aussi les vins étrangers. Petite bombe atomique, Andreas Tschepé, en Autriche, qui a les vignes les plus sauvages de la Terre et qui dédie ses cuvées aux animaux qu'il retrouve dans ses pieds de vigne. Très régulièrement, quand même, des idées de voyages, de plats qu'on a mangés en vacances, qu'on a mangés autrefois. Aujourd'hui, ma fierté, c'est vraiment ma clientèle. On a 80% d'habitués. J'ai autant des petits jeunes d'une vingtaine d'années qui se font leur premier restaurant bistronomique que des septagénaires espagnols. Un repas de saveurs et de surprises, j'adore. Et là, on a la table A et on voit vraiment les 100-150 assiettes qui sortent du pass. Ce soir, j'avais vraiment envie de faire découvrir une adresse que j'aime particulièrement parce qu'il est fan d'anguilles. J'adore l'anguille, quoi. Je me laisse porter par leur savoir et c'est particulièrement intéressant. On fait les toilettes ou pas? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Un des piliers de ce restaurant, donc LND. À suivre, Haribo, de tweet, une canette, s'il vous plaît. Ouais! C'est pas non plus la galette des rois, hein. Allez-y sereinement, y'a pas de problème. Ah, mais y'a des trucs cachés là-dedans. Non, c'est ça. Apparemment, Félix, tu fais découvrir des choses. Je copiais sur lui en gestion en BTS. Je copiais sur lui en cuisine. En BTS. En BTS.